Comment poser du flex sur du tissu? Alors, vous avez besoin de feuilles de flex que vous pouvez acheter, d'un cutter assez fin et précis, d'un stylo et d'un fer à repasser. Donc le flex, c'est une feuille avec le revêtement à poser sur une feuille transparente autocollante. Ça a toute son importance. Donc vous choisissez votre feuille. Vous la retournez sur l'envers, donc sur la partie blanche, et vous allez venir dessiner le dessin que vous souhaitez faire avec un feutre en miroir. Attention, hein, ça c'est l'envers, donc ça sera, il faut faire une forme en miroir. Donc là, par exemple, je vais faire un cœur dans lequel je vais redessiner un cœur. Voilà, et je vais venir garder que le bord du cœur. Je prends mon cutter et le but étant de découper seulement la partie du flex et non la feuille transparente qui est au dos. Donc il ne faut pas non plus trop appuyer. Donc vous venez découper. Et vous venez enlever le surplus que vous ne voulez pas garder. J'enlève le centre et le tour. On obtient notre cœur. Et si vous voulez, vous pouvez venir déposer d'autres flex dessus. Par exemple, j'ai découpé un petit cœur. Donc là, je l'ai retiré du film transparent et je vais la poser à l'intérieur, comme ça. Quand je vous montre, on voit un cœur d'une autre couleur à l'intérieur. Et on va pouvoir venir poser l'ensemble avec le fer à repasser. Donc ensuite, vous venez repasser. Donc vous allez prendre votre morceau de tissu, déposer sur votre tissu votre flex. Ensuite, vous venez apposer du papier. Alors soit c'est livré avec les feuilles de flex, soit vous prenez du papier cuisson, papier sulfurisé, et vous venez avec votre fer, suivant les indications du fabricant, ça dépend des modèles, repasser dessus. Protégez, hein, faites pas ça directement avec le fer sans protection. Et donc vous repassez. Une fois que vous avez repassé, vous pouvez enlever la partie transparente, repasser un petit coup de fer pour fixer l'ensemble, vous obtenez un flex.